Salut tout le monde, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vous explique pourquoi je fais très peu de vidéos, parce qu'en fait du coup en semaine, donc, du coup je travaille du lundi au vendredi, donc c'est pas facile à gérer son temps pour faire les vidéos, donc du coup après le boulot quand on rentre à la maison, en général on préfère, enfin personnellement c'est comme ça pour moi, en général on préfère rester à la maison, se reposer tranquille. Faire une occupation quelconque, regarder la télé, jouer à la console, aller sur YouTube, enfin n'importe quoi. Les occupations de chacun. Donc c'est pour ça que déjà il y a ça. Je travaille du lundi au vendredi, c'est pour ça que je fais déjà très peu de vidéos. Ensuite, le week-end. Alors pourquoi le week-end je fais très peu de vidéos? Déjà, le samedi, souvent, je suis assez occupé le samedi, donc du matin au soir, donc. J'ai pas trop le temps, et après le dimanche en général je préfère rester tranquille à la maison, à me détendre aussi, donc bon c'est vrai après le boulot, mais après le dimanche aussi c'est bien de rester sans rien branler. Donc du coup voilà pourquoi pourquoi je fais très peu de vidéos. Et puis aussi il y en a à côté, il faut avoir des idées de vidéos bien sûr, parce qu'on va pas faire n'importe quoi sur YouTube. On va pas dire, ah bah tiens, je vais filmer les oiseaux, puis hop, piou piou piou. On va pas non plus publier ça après sur YouTube, parce que c'est pas très travaillé, on va dire ça comme ça. Et donc après, par la suite aussi, ouais, donc il y a ça aussi, donc il faut trouver un sujet. Et si on a trouvé un sujet, il faut pouvoir le développer, donc pouvoir trouver des sources sur Internet, dans les livres, etc. Que vous voulez. Par exemple sur une précédente vidéo j'ai fait une vidéo sur un écrivain ou une écrivaine, un écrivain Anne Robillard, donc normalement c'est dans les vidéos précédentes, donc j'ai pu je me suis renseigné en fait sur internet, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé assez rapidement tout ce qu'il me fallait pour que la vidéo dure un minimum de temps, quand même pas trop longtemps ni trop courte, juste pile poil entre les deux. Donc du coup ça c'est, il y a ça aussi, donc le sujet, avoir les sources. Donc du coup j'avais commencé à écrire un sujet sur quelque chose, j'ai pas envie de trop le dire, mais j'ai commencé à chercher, mais j'ai trouvé très peu de renseignements dessus. Donc du coup la vidéo risque d'être comme ça, mais elle risque d'être comme ça, trop courte. Donc c'est pour ça que j'essaye de trouver un autre sujet, pour l'instant je mets de côté. Donc du coup j'ai essayé de trouver un autre sujet et puis prendre le temps de trouver la source, enfin des sources sur internet. Donc du coup ouais, mais je pourrais faire ça en semaine pour prévoir le week-end. Donc faire trouver les sources, après savoir comment faire ça, bon c'est sûr moi j'avais pris sur la vidéo Anne Robillard, c'est sûr je lisais, mais bon j'ai pas perdu l'habitude de ça, d'essayer de me ressouvenir les choses, donc c'est pour ça. Donc du coup il faudrait que je trouve les sources, un prochain sujet, trouver les sources sur internet ou ailleurs, je sais pas. Donc voilà, c'est pour ça, donc c'est pour ça que je fais très peu de vidéos, et puis je travaille en semaine, le samedi je suis beaucoup occupé, le dimanche je vais rester tranquille. Ce que je pense faire, c'est essayer de prendre plus de samedi pour moi, pour pouvoir m'occuper de ma chaîne YouTube. Et quand je fais, là j'étais en vacances, donc du coup j'ai fait 2 ou 3 vidéos, je les ai mis quasiment d'affilée. C'est trucs que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû mettre une telle semaine, l'autre telle semaine d'après, celle-ci la semaine encore après. Donc voilà, donc du coup il faudrait que je prenne plus de samedi pour moi, donc du coup c'est pour ça d'un côté, c'est pour ça que j'explique. Expliquer avant, j'ai pas trop le temps. Prendre plus de samedi pour moi, trouver des sujets, trouver des sources. Et puis après, ah oui, j'ai oublié. Donc les vlogs, alors les vlogs où je suis à l'extérieur, en ce moment dehors, le temps est à chier, j'ai eu une semaine de vacances de merde parce qu'avec un temps pourri, j'ai pas pu aller dehors. Et du coup, bah, il faut trouver un moment aussi, savoir où aller, et j'ai pas envie de faire non plus 6 heures de route pour faire seulement 10 minutes de vlog, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup, donc c'est pour ça niveau vlog, c'est pour ça que c'est très rétréci aussi. Et du coup, de façon cet été, non, si je peux, je pars 2 semaines au camping à 40 mois. Donc, j'avais fait des vidéos spéciales vacances sur ma chaîne YouTube. Donc, du coup, si je peux faire au moins, ce sera à peu près entre 10 et 12 jours. Donc, ça fera entre 10 et 12 vidéos. Donc, une vidéo par jour. Donc, ça fera entre 10 et 12 semaines. Je publierai une par semaine. Comme ça, au moins, ça va s'étaler sur un moment.
Parce que si je mets deux vidéos par semaine, ça risque de raccourcir le temps. Donc du coup, faire plus de vidéos. Et moi, je me sens, pour le moment, je me sens pas capable de faire plus de vidéos. Donc c'est un problème d'organisation. Donc moi, niveau organisation, c'est pas trop ça. Donc voilà, donc du coup, dès que j'aurai pris le rythme de faire essayer de faire une vidéo par semaine, j'allais dire par mois, mais non, par semaine, j'essaierai de faire deux par semaine, mais c'est à voir. Déjà, je promets pas une par semaine, mais j'essaie essayer déjà. J'ai déjà essayé ça une par semaine, donc ce qu'il me reste à faire, c'est m'organiser, trouver les sujets, trouver les sources sur le sujet que je veux parler. Puis bah, après, niveau vlog, je peux pas promettre parce que ça dépend du temps, et puis. Tout dépend de ce que je vais présenter, parce que si c'est à 2 heures de chez moi, je vais passer mon week-end entier dessus, et pour 2 heures d'euros, ça vaut pas le coup de faire un vlog de 10 minutes. Donc c'est pour ça, et puis voilà quoi. Donc voilà le pourquoi que je fais très peu de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment désolé. Donc du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je suis vraiment bah, désolé, c'était juste une vidéo vite fait comme ça. Donc du coup, moi je vous dis. Kenavo, et à la prochaine.